que tu parcours. Le loup par-ci, le loup par-là, c'est ainsi, c'est moi le loup. Le loup qui parle, le loup qui chante et qui rit, c'est moi le loup. Oui, je me sens tellement loup, c'est fou. Oui, je me sens tellement loup, 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 loup. Oui, c'est fou, la vie nous sourit quand on a des amis, parole de loup. Attention à vous, oui, on va s'amuser, voilà le loup. Louve, ta mission, retenir Joshua loin de son potager. Pendant ce temps, Valentin, Titi et Gros Louis, vous irez chez lui pour tout préparer. Valentin, tu te charges des ballons. Titi, tu accrocheras la banderole. Gros Louis, tu t'occupes de la décoration. Oui, chef. Et moi, du cadeau, comme prévu. Et le gâteau, alors? Le plus important pour un anniversaire, c'est le gâteau, non? Louve a raison. Un anniversaire sans gâteau, c'est le drame. Ah mais oui, partout mes poils de loup. Ça y est, je sais, je vais être pâtissier. Et je ferai le plus gros et le plus succulent gâteau du monde pour Joshua. Des œufs, du sucre, de la farine. Fastoche. Avec ce bon gâteau, ce sera un anniversaire inoubliable. Les œufs. Yeah, un peu de ci, un peu de ça, sel, farine, sans oublier un peu de levure pour faire lever la pâte. Oups, bon bah tant pis hein. Et voilà le travail, le meilleur gâteau du monde. 5 minutes de repos et hop la loup au four. Oh non! Toute cette pâte, quel gâchis! C'est pas ma faute, moi j'ai rien fait! Oh. Alfred, j'ai une de ces peurs! On a cru que c'était Joshua! Mais non, il est chez Louve, mais elle le retient. D'ailleurs, je vais voir si elle n'aurait pas besoin d'un petit peu d'aide. À plus, les copains. Oh, Joshua, si tu me dis pas comment parler à mes carottes, elles vont tellement s'ennuyer qu'elles pourraient même en mourir. Imagine que tu parles à un ami, c'est tout pareil. Ou alors, chante-leur une chanson, elles vont adorer. Bon, à plus tard, Louve, j'ai mes choux qui m'attendent. Une chanson, mais laquelle? Ah mais ça, je sais pas moi, Joshua, mes radis sont très malades, il faut faire quelque chose et vite. J'ai dû tout nettoyer pour commencer mais je crois que ça valait le coup. Et voilà le travail. Alors c'est qui le plus grand pâtissier du monde? Oh, et s'il était pas bon? Je vais peut-être le goûter d'abord. Oh, je vais le regoûter. Hé, Lou, il faut faire vite. Il est prêt, ton gâteau? Ça va pas, Lou? Mais si, ça va. C'est pas fini, j'ai du travail. Oh non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il me reste plus rien pour refaire un gâteau. Allez, du courage, Lou. Les meilleurs pâtissiers font avec les ingrédients qu'ils ont sous la main. Alors, de la farine, des pâtes, des marrons, un reste de sauce moutarde. Et hop, la loup, au four. Oh non, mais c'est quoi ce gâteau tout raplapla? Hey. Valentin, quoi? T'as déjà fini le gâteau? Alors, il est où? Il arrive, hein. Hey! Attends, Joshua! Oh, mes pauvres petits choux qui m'attendent!
Et voilà, ça va être le plus beau et le plus gros gâteau de la Terre. Joshua va adorer. Non, mais qu'est-ce que... Mon gâteau. Joyeux anniversaire. Oh, vous vous en êtes souvenus. Au secours. C'est Descends de là, Lou. Lou, perce le gâteau. Mais avec quoi? Ah, mais oui, une bougie. Waouh, incroyable. Je veux descendre. Oh non, fais attention. Waouh. Oh, ça c'est du spectacle. Alors j'ai adoré. Lou, comment ça va, Lou? Je suis vraiment désolée. On n'a plus de gâteau et j'ai gâché la surprise. Oh, mais non, Lou, c'était le plus beau de tous les spectacles de voltige que j'ai jamais vu. Non, c'est vrai. Et en plus, mon potager n'a jamais été aussi joliment décoré. Et puis, tous mes amis sont venus pour moi. Et toi, Lou, ton numéro d'acrobate, c'était génial comme cadeau. C'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Ah, ben tant mieux alors. En revanche, terminé, j'arrête la pâtisserie. Beurk! Oh, ça, c'est une bonne idée, Lou! Et maintenant que tout le monde est là, tu vas pouvoir ouvrir ton cadeau! Ouh! Waouh! Oh, merci, les copains! Joyeux anniversaire, Joshua! Joyeux anniversaire!